the mashed potato. Okay, 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 we get the idea. Let's eat. Alors, j'ai créé ce drama club il y a 3 ans parce que j'ai toujours été un grand amateur de théâtre et que je trouvais que c'était un véhicule assez merveilleux pour aider les élèves à s'exprimer et en même temps améliorer leur anglais. Je m'appelle Nina, je suis de 3e A. Donc, je m'appelle Maria-Victoria, je suis en terminale ES et je fais du théâtre en anglais depuis 3 ans. Je m'appelle Emiliano, Emiliano Leclerc, je suis en terminale L. What I mean, dear, what's your name? No, 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 don't call me dear. That's like a microaggression. Alors, aux acteurs, déjà, ben, je pense que forcément, on parle toujours un petit peu du cliché de l'élève timide ou de la personne timide qui fait du théâtre pour vaincre un petit peu sa timidité. Mais je crois que c'est effectivement un bon médicament contre la timidité. Parler devant les autres, c'est une compétence qui se travaille et le théâtre va aider cela énormément. Du coup, le pop-up theater, c'est lorsqu'on va sujet dans une classe de primaire, on a sujet dans une classe de primaire, et on joue une scénette que les élèves n'ont pas été prévenus. Depuis que j'ai commencé à faire du théâtre en anglais, je pense que la maîtrise de mon anglais s'est vraiment améliorée parce que j'ai dû faire une nonne et j'ai besoin de parler genre vite et lentement et énervé et tout. Et genre, ça a vraiment m'aidé à maîtriser mon anglais. Mon théâtre est amélioré parce que maintenant je suis dans le système français, alors j'oublie un peu mon anglais. Alors j'ai choisi de le faire aussi pour entraîner mon anglais et parler plus parce qu'à la maison je parle pas l'anglais et je parle avec les personnes du théâtre et avec le prof. Oui, je trouve que mon anglais a beaucoup amélioré. D'abord parce que j'ai des problèmes d'articuler bien les mots. Et en théâtre, on doit articuler bien pour que le public puisse comprendre ce que tu vas parler. Et oui, je pense que ça a beaucoup amélioré mon anglais. Oui, mon anglais s'est amélioré beaucoup. On a dû faire une pièce qu'on a nommée le Loot. Et c'était vraiment compliqué, c'était un vocabulaire ancien, mais j'ai pu vraiment apprendre beaucoup de mots différents et j'ai amélioré ma prononciation et ma clarté. Je suis très très souvent assez finalement impressionné, étonné du travail fourni par mes élèves, du chemin qu'ils parcourent. Certains sont totalement débutants et à force de travail, ils réussissent vraiment à faire une performance qui va de grande qualité, vraiment. Ouais. Oui, je suis très très fier de toute l'équipe. Merci. Ce qui est très intéressant également, c'est que cela, d'avoir des spectacles récurrents qui viennent 2-3 spectacles par an, insuffle une culture théâtrale à l'ensemble de l'école. Et donc ce n'est pas bon que pour les comédiens, mais je pense que ça oblige tous les élèves à aller voir des pièces de théâtre au moins de temps en temps. Et ce sont peut-être les seules pièces de théâtre à laquelle ils assistent. Mais au moins, voilà, ça permet d'installer cette culture théâtrale. J'ai commencé à faire théâtre parce que j'aime bien l'idée d'être dans une peau d'un différent personnage, que soit différent
de ma perspective et donner une nouvelle perspective devant un public. Et j'aime bien cette ambiance d'être devant une scène et faire une scène. Je fais du théâtre parce que j'aime bien être dans la scène, j'aime bien jouer quelqu'un d'autre et j'adore parler anglais donc. Je fais du théâtre parce que j'aime être marrant et j'aime de l'attention et j'aime bien quand tout le monde dans le public me regarde parce que j'ai pas eu assez d'amour chez moi. Devrait rejoindre le Drama Club toute personne qui a le goût de la scène, du spectacle, de la comédie, mais pas que de la comédie d'ailleurs, et qui forcément également partage un intérêt, un goût, voire un amour de la langue anglaise.